Écoutez-moi bien, je parle à tous les gitans, du Vaucluse, voyageurs, catalans, tous les gitans. Venez les gars, venez. C'est un petit voyageur qui est mort. C'est un chinois qui est mort. Venez les gars, il faut venir. Il faut prendre les splits, il faut les bombarder. Voilà, il a tout dit. Il faut venir. Il a tout dit. Ce soir, les gars, on va passer la nuit ici. Et le contrôle, on n'est pas prêt de le perdre ici, je vous le dis. Ils peuvent appeler les renforts du monde, là, tous les gens. Regardez. On est une famille. Regardez, les gars. On est une famille, on va passer la nuit, là. Les poids lourds, ils vont rester avec nous. Il y a la télé, il y a tout le monde, on s'en bat les couilles. On va rester là, les gars. Voilà, la zone, on va la bloquer maintenant. Et vous savez quoi, les gars? Plus le monde va arriver, plus je vais chauffer tout le monde. Et on va tout bloquer ici, les gars. On va tout bloquer, on va finir, on va aller bloquer la gendarmerie, là où ce fils de pute de Polonais qui a foncé délibérément sur lui. D'accord? À cause des gendarmes, les gars. Je le redis encore une fois, c'est à cause d'un gendarme. Partagez, tout le monde, là. Tous ceux qui regardent ma vidéo, tous ceux qui m'écoutent, les gars. Partagez, là, la vidéo. Partagez, les gars. Que tout le monde le sache, moi je suis boycotté, je peux pas aller sur les grandes pages de Gilets jaunes parce que j'ai trop partagé de trucs, les gars. J'ai trop partagé de trucs. Ouais, c'est Manu. C'est toi, Manu? Ouais. Il y a Farid qui te passe le bonjour. Salut Farid. Farid de Rekika, tu connais? Il dit c'est Manu qui vient de parler. On lâche rien, les gars, en tout cas, je vous le dis. Les poids lourds, les gars, ils vont sortir, ils vont être avec nous. Voilà, ils mettent leur gilet, ils viennent. On lâche rien, les gars. On lâche rien, là. Il y a les bouchons jusqu'à salon, ça me bat les couilles. Et je vous garantis, je vous jure sur ma parole d'honneur, que même si la gendarmerie mobile elle vient, même si les CRS ils viennent, les gars, on s'allonge tous par terre, frère. Il n'y a personne qui passe, les gars. On ne parle plus avec eux ce matin. J'ai coupé la communication avec la gendarme. Voilà, je vous explique. Ils sont dans leur coin là-bas. Et on ne parle plus avec eux. C'est fini. Fini les cafés. Fini tout. Fini les petits thés. Fini les. Fini les petits gâteaux et tout. Fini là. Ces petites fiottes là. On a été trop gentils avec eux, les gars. Voilà, hier on a monté une cabane. Denis a monté une cabane, les gars. Denis là, celui qui est décédé, il avait monté une cabane là où il y a tout le monde là, entre le poteau bleu et l'arbre. Il avait monté une cabane, les gars, avec ses soins. Tout le monde, il avait motivé tout le monde, il a dit ah, moi je dors là, tout machin, on a monté une cabane. Hier, le chef de la gendarmerie qui est là-bas, celui du milieu là, lui là, lui qui tourne la tête, il veut pas que je le filme ce petit PD, j'ai la guerre contre lui. Il veut m'attraper, tout le monde va me défendre ici. Voilà, tout le monde va me défendre, il m'attrapera pas, les gars. Je vous dis, venez tous au ponté, frère, venez tous au ponté, les gars. Ouais, lui, hier ouais. Il s'est pris la tête avec Denis, hier après-midi. Lui, il s'est pris la tête avec Denis et il a fait déloger, les gars. Il a fait déloger Denis, d'accord? Il lui a dit à Denis, ce soir, je t'explique, on va venir, on va tout casser ta cabane. Voilà, ils ont cassé sa cabane et en plus de ça, il est plus avec nous. Il est décédé, les gars, il est mort à cause de ces gendarmes de merde. On serait resté ici, il n'y aurait pas eu un problème, d'accord?